Eh bien, salut à tous les amis, c'est Xoscar. Comment allez-vous? Moi, je vais super bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, les amis, où l'on va faire une troisième vidéo tuto. Où aujourd'hui, les amis, je vais vous présenter le tuto comment faire un piano. Donc, cette fois-ci, il fait une. Non, je veux pas qu'il fasse nuit. Ok. Ouh. Bon, du coup, les amis, pour ce tuto piano, nous aurons besoin de tête de dragon, de tapis blanc, de porte-armure, de dalles en pierre noire, d'escalier en pierre noire, d'escalier en quartz lisse, de pierre noire, de blocs de redstone, de pistons et de béton blanc. Ça, c'est au cas où, parce que vous verrez bien que pour le commencement du tuto, il faudra reprendre le bloc de votre sol. Donc, du coup, pour ma part, c'est du béton blanc. Du coup, les amis, pour commencer ce petit tuto, vous allez, on va essayer de centrer, voilà, vous creusez trois de horizontal, je crois, ouais, trois d'horizontal, et on met trois portes armures comme ceci. Juste en face, nous allons casser pour mettre des petits pistons. On va actionner, voilà. Ensuite, du coup, voilà pourquoi il faut prendre le bloc de notre sol. Ensuite, du coup, on va leur mettre les têtes de dragon. Ici, on va prendre un escalier en pierre noire comme ceci. On va mettre pareil juste derrière. Alors, essayez de prendre un bloc noir. Après, si vous voulez faire avec un bloc blanc, bah, vous faites comme vous voulez. Même pire, vous savez quoi, si vous voulez, on peut faire avec un bloc blanc, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Avec des blocs blancs, ça peut, je pense que ça va faire tout aussi bien. Donc, du coup, ici, on continue la rangée comme ceci. Ici, on fait le petit, histoire de faire un gros pied de piano. Ensuite, c'est là que l'effet des touches va se faire, parce que nous allons mettre des petites carpettes et ça nous fait les petites touches du piano. Voilà. Ensuite, du coup, on va mettre le petit bloc. Voilà. Histoire de cacher la tête du dragon comme ceci. Ici, on n'est pas obligé d'en mettre. Bon, ici, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit triangle, parce que les pianos comme ça, souvent, c'est en forme de triangle. Voilà, donc on part en diagonale jusqu'à temps d'arriver ici dans le croisement. On va enlever ici et on va faire un gros pied. Voilà, donc déjà, on a une bonne tête là pour le piano. Ensuite, du coup, on va fermer comme ça. Hop. Là comme ceci, pour pas que ça fasse vide et que ça fasse un bon gros piano, vous voyez. Là, voilà, bon, c'est un peu long parce que du coup moi j'ai pris des dalles, j'ai oublié le bloc de cordes. Et là on a un bon gros piano. Bon, après, si vous voulez, on peut faire une autre méthode, je vais vous montrer refaire le toit. Voilà, moi perso c'est pas trop mon style, donc je vais le laisser fermer pour ma part, parce que je trouve que ça fait pas trop beau sinon. Hop là, hop là. Et voilà, nous avons un magnifique piano. Je trouve que ça fait vide ici, donc après, je pense pas qu'on peut rajouter de panneaux. J'ai pas vraiment testé. Imaginons, on va faire ça. Voilà. Ah si, on peut. Ah ouais, mais du coup, ça enlève la carpette, c'est ça qui est dommage. Ouais, on peut pas mieux. Et je sais que la neige, on peut pas, c'est très chiant à faire. Donc, si vous savez quoi rajouter ici, bah écoutez, faites-le, parce que moi, du coup, je sais pas. Et dites-moi en commentaire si le tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker pour d'autres tutos. Je sors un tuto tous les dimanches. Ça me fait vraiment plaisir que je vois que je gagne des abonnés grâce à ça. Et aussi parce que, tout simplement, ça me tente. La vidéo de mercredi, j'essaie de vous sortir une petite outro de vidéo. Voilà. Et dites-moi en commentaire ce que vous voulez que je fasse comme tuto pour le prochain dimanche. Et du coup, tous les dimanches, c'est vidéo à 10h. Et vidéo à 13h pour le mercredi. J'ai fait tout le planning, c'est bon. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mettez une note sur 10 pour tous les tutos, voilà. On va faire ça. Et puis, ben moi, je vous dis à bientôt. C'était l'Exoscar. À bientôt, les amis.